expliquer pourquoi je soutiens le projet de Grand Stade. Et pour en parler, je vais faire référence au stade de la Beaujoire actuelle. La conception de ce stade remonte aux années 70, une époque où le football n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, les clubs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et depuis, le football a considérablement évolué, des clubs avec. À savoir que se sont développés des services commerciaux pour rentrer du chiffre d'affaires, parce que au fil des ans, de plus en plus, les chiffres d'affaires des clubs augmentaient. Et donc, il était nécessaire de franchir un palier important sur le plan commercial. Et ces éléments-là n'ont pas été pris en compte dans la conception du stade de la Beaujoire. Donc aujourd'hui, en termes de réceptifs, c'est très très limité, ça a été un peu bricolé au fil des ans. De ce côté-là, c'est pas très performant. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir d'autres stades à l'extérieur, notamment celui du stade Rennais, où là, il y a des salons immenses, des loges qui sont bien conçues. C'est très, très spectaculaire et en plus, c'est très représentatif pour le club. Donc la Beaujoire ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait penser, parce que c'est vrai aussi que c'est à cette époque que ça a commencé à évoluer. Autre sujet, par exemple, aussi, parce que j'ai... Max est parti, mais j'ai été aussi consultant, j'ai aussi voyagé dans pas mal de clubs, et dans pas mal de stades, et j'ai pu constater souvent que rien n'était fait pour... puisque les matchs maintenant sont de plus en plus retransmis, et rien n'était fait à ce sujet. Les télévisions s'en plaignent assez souvent, et c'est un élément qui sera aussi pris en compte, je pense, dans le futur grand stade. Ces éléments-là sont extrêmement importants. C'est ce qui génère aussi du chiffre d'affaires avec les VIP, les sponsors, les partenaires. Ça participe énormément à la vie du club. Et donc, avec un stade moderne, et puis en plus, si vous voyez derrière moi la photo, le stade sera magnifique, certainement l'un des plus beaux de France. C'est une nécessité donc de passer au grand stade. Voilà ce que je voulais exprimer.